Ambiance festive sur 16 septembre à Notien, le PPV célèbre sa plus grande fête traditionnelle à Gogozan. Une fête commémorative de l'exode rural du peuple éveillé au XVIIe siècle. Nous sommes à près de 95 km au nord de Lomé, dans la région des Plateaux. À Gogozan, au-delà de nos considérations qu'elle suscite depuis son institution comme fête traditionnelle, reste l'occasion d'opportunité pour tout le peuple éveillé et les différentes communautés sœurs de venir partager nos valeurs culturelles et identitaires à travers des chants et danses aussi riches que variées, traduisant ainsi la paix et l'hospitalité légendaire chaque fois que de besoin. Plus qu'une fête rituelle et de retrouvailles étalée sur environ une semaine dans la portée de ce jour, c'est toute une histoire qui est racontée. Une histoire à laquelle tous les fils et filles éveillés du Ghana, du Bénin et du Togo s'identifient et se reconnaissent, y compris le chef du gouvernement togolais Komissaire Mklasou, natif du milieu. Celui qui a honte de son origine est un corps sans esprit. Chaque peuple a sa culture et il est bien séant que chaque citoyen appartenant à une ethnie ou une communauté donnée puisse se reconnaître comme telle. Diversité culturelle et partage de valeurs, ciment de paix, d'unité et de développement. Thème de l'édition 2019. Également fête culturelle, économique et touristique. À Gogozan est aussi l'occasion qui marque la consommation de la nouvelle Inyama.